Salut tout le monde, c'est Asto, j'espère que vous allez bien, moi je pète la forme. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau squad builder sur FIFA 15. Donc cette fois-ci le squad builder sera en 3-5-2. Formation qui est très bonne pour attaquer, un peu plus compliquée pour défendre. À part si vous avez des MDC avec des bonnes contributions et des défenseurs centraux avec des bonnes contributions. On va tout de suite commencer avec le gardien qui joue en Ligue 1. Il s'agit de Steve Mandanda. Steve Mandanda, très bon gardien. Meilleur que Ruffier sur ce FIFA. Pourtant, il a des moins bonnes stats, mais Ruffier est vraiment très très mauvais. J'ai pu le tester une quinzaine de matchs. Et à chaque match, il a vraiment fait des boulettes. Donc, bon, vraiment décevant. En plus, il coûte à environ 3000 crédits, ce qui est plutôt cher pour un gardien de cette qualité-là. Ensuite, on passe au défenseur central. C'est Lamine Sané. Acheté 650 crédits. Vraiment très bon. 1m92. Contribution élevée en défense, c'est bien. 81 de physique, 76 en défense. 71 en vitesse, pardon. Mon Mandanda aussi, je l'ai payé 850, donc c'est vraiment rien du tout. Défenseur central, Abdennour aussi. Abdennour, vraiment très très bonne stat. 86 en physique, 80 en défense, 72 en vitesse, avec une petite carte charnière. Il est vraiment très bon, il fait le taf en défense. L'autre, vous avez pu le voir, c'est Loïc Perrin. Loïc Perrin, je l'ai pris parce qu'il fallait un lien fort avec Steve Mandanda. J'aurais pu prendre Nkoulou qui est plus rapide, mais il est beaucoup plus petit. Donc, j'ai préféré prendre Perrin, puisque je le trouve meilleur en plus. MDC, on va prendre Guey, le MDC du LOSC, que j'ai pu avoir dans mes packs de démarrage. Donc je l'ai vraiment beaucoup de matchs. Il est vraiment très bon. Le seul petit problème, c'est sa taille, 1m74. Le reste, c'est très bon chez Guey. Vous voyez, j'ai fait 20 matchs avec. Il m'a fait 3 passes D. Bon, c'est pas un ratio... C'est pas un très bon ratio, mais il est vraiment très présent défensivement. L'autre MDC, vous avez pu le voir, c'est Fernandez. Fernandez qui est vraiment très très bon sur ce FIFA. Regardez ses contributions, il me fait penser un petit peu à un Doumbia, mais vraiment beaucoup moins cher, je l'ai payé 500 crédits. Il est suisse, il joue au Stade Rennais, vous allez voir pourquoi je dis qu'il est suisse, c'est très important. Il a des bonnes contributions aussi, 73 en vitesse, 74 en défense, 78 en physique. C'est vraiment pas mal, on passe au milieu gauche. Il s'agit de Dimitri Payet. Dimitri Payet paye 400 crédits, 4 étoiles geste technique, 4 étoiles mauvais pied, vraiment très très bon. Ensuite, on passe au MOC. Vous pouvez voir Camus. Donc là, vous devez vous douter de qui est le buteur et pourquoi j'ai pas mis le milieu droit. Donc le milieu droit, excusez-moi, il joue pas en Ligue 1. Il joue en Ligue Suisse. Il s'agit de... Bon, je dirais pas son nom parce que sinon je vais l'écorcher. Comme à l'épisode précédent. Donc là, on va tout de suite chercher le BU de Ligue 1, même si vous savez tous ce qui est le BU de Suisse. Donc là, BU de Ligue 1, Ben Yedder. J'avais mis le BU belge de l'OM. Il m'a pas trop plu, donc j'ai préféré prendre Ben Yedder qui a des très belles stats cette année. À part en physique, 80 en vitesse, 75 en tir, 76 en passe, c'est vraiment pas mal pour un buteur. 82 en dribble, 4 étoiles geste technique, 4 étoiles mauvais pied. Vraiment des bonnes stats, Ben Yedder, hein. L'an dernier il avait pas les 4 étoiles et ça c'était dommage. Donc là ensuite on va tout de suite passer au dernier BU de Ligue Suisse, il s'agit de Chikawi. Donc Chikawi les gars, comme vous pouvez le savoir, c'est un monstre. Regardez, 5 étoiles geste technique, 5 étoiles mauvais pied, 6 matchs, 13 buts, une passe D. Il m'a vraiment mis des très très beaux buts, il m'a vraiment raté que très très peu de choses. Et quand il a raté les gars, vous allez voir comment l'action était magnifique. Je vous laisse tout de suite avec les clips. C'était Asto. Ciao tout le monde.